du côté de Simone de Beauvoir, c'était beaucoup plus intense que du côté de Zaza. Et c'était une espèce de vénération qu'elle avait pour elle, une immense admiration, mais il ne faudrait pas mettre là-dedans, comme dans Amoureuse, un aspect sexuel. Et ça a été absolument crucial pour elle, ça a illuminé sa jeunesse. D'autre part, le contact avec le milieu de Zaza lui a ouvert les yeux sur ce qu'était cette bourgeoisie catholique qui, selon elle, elle a employé elle-même le terme, a assassiné Zaza. La tragédie de la mort de Zaza à 22 ans a été pour elle une expérience bouleversante. Dans Inséparable, elle fait sa dernière tentative de fiction autour de Zaza. Il y a eu d'autres cas de textes qu'elle a gardés longtemps et qu'elle a publiés elle-même, par exemple, quand prime le spirituel. Elle m'avait dit que ce texte, comme d'autres, elle ne comptait pas le publier, mais qu'elle concevrait très bien qu'après elle, on le publie, parce qu'en soi, il a de la valeur. Elle a une grande hésitation à ce moment-là entre la fiction et l'autobiographie. Mais elle a une sorte de recul à attaquer directement l'autobiographie et elle prend le biais de raconter l'histoire de Zaza. Ça montre bien à quel point elle pensait que l'histoire de Zaza et son histoire étaient liées, vous voyez. Mais au fond, c'était un détour, peut-être un détour essentiel pour arriver à l'autobiographie.